Parce que le monsieur yo est sans dans condom yo ou bien le yo fini éjaculer yo est sans, ça vraiment qu'on inquiète. Mais le plus souvent, il pas toujours gain une signification pathologique. Ça veut dire pas toujours une maladie. Des fois il mon spermie, ça veut dire le bail sans dans sperme, il con est occasionnel et il va disparaître pour compte lui dans quelques jours à quelques semaines ou gain pas jamais elle encore parce que pas vraiment toujours veut dire une maladie. Mais cependant, s'il persistait au-delà de 6 semaines, s'il persistait, voire au-delà de 1 année, mais à ce moment-là, il est vraiment important pour qu'on ait qui raison, qui faut gagner hémospermien. Donc, il n'est pas toujours une maladie, des fois il est occasionnel, des fois il disparaît pour compte lui. Mais cependant, si elle persistait au-delà de 6 semaines, et s'il arrive même supérieur à 1 an, à ce moment-là, il doit alarmer ou doit chercher raison qui fait ça. Maintenant, première raison, qui a fait un garçon éjaculer sans, c'est un problème au niveau de testicules. Mm-hmm. Donc, on a un garçon qui a 2 testicules, il y en a à gauche et à droite, qui sont suspendus par deux boules graines. C'est eux-mêmes qui produisent spermatozoïdes. Spermatozoïdes qui vont rencontrer liquide séminal là, plus liquide spermatique là, pour boire sperme. Mais toute anomalie dans le trajet, ça, en particulier dans les testicules, est capable de faire éjaculer sans. Par exemple, un traumatisme testiculaire. Qui ça traumatise testiculaire là, c'est lorsque on prend choc ou bien on prend coup ou bien on prend des traumatismes directs dans testicule. Et bien il ca fort éjaculer sang. Et surtout si tu as un traumatisme dans testicule là et vous venez gagner des rapports sexuels à répétition ou bien des rapports sexuels fréquents, et bien il ca venir faire après traumatisme ça, il ca venir faire que ou éjaculer sang. Il y a une tumeur également dans testicule. Capable fort éjaculer sang. Et d'après rappelé au dit trois là que tumeur dans testicule en général le plus souvent ce sont des cancers. Les rares pour ta jeune tumeur dans testicule qui bénin. C'est généralement ça ou gagne le senti testicule là des fois là fort mal, des fois testicule là comme gros, des fois le comme gon boule du là-dedans. Et des boue trois signes ça yo. En général, c'est comme ça cancer ou bien tumeur testicule là présenté, son boule ou gagne qui du. Des fois testicule la vin gros et à la au final il ca vin bote douleur mais un cancer ou bien un tumeur maligne dans testicule ou capable fort éjaculer sang. Maintenant il y a un problème au niveau de l'épididyme donc capable fort éjaculer sang. Alors on a rappelé l'épididyme là c'est une structure qui colle à testicule là. C'est la dernière spermatozoïde passé puis au fond temps avant pour y aller dans canal déférent pour y aller tomber dans vésicule séminal là mais sous un tumeur au niveau de vésicule de épididyme il capable faire tout ou éjaculer sang. Mais il y a un problème tout au niveau du canal déférent capable fort éjaculer sang. Par exemple, il y a funiculite, seconde inflammation du cordon qui affecte et canal déférent qui c'est canal qui permet spermatozoïde de passer pour aller tomber dans vésicule séminal ensuite pour éjaculer au besoin et mais seconde inflammation la donne, il capable fort éjaculer sang. Maintenant, ou ca éjaculer sang tout après une vasectomie. Qui sa vasectomie hein? C'est une méthode de contraception masculine. Un garçon qui pas avait fait petit, il qu'on décidé pour lui faire docteur retail. Oui, possibilité ça existait, il y a les vasectomies et qui s'allie son petite opération au fait pour dans cabinet médical urologue là qui dure environ 10 minutes côté que sectionner tous les deux canaux différents. À ce moment-là même si testicule produit spermatozoïde, il va pas passer pour aller rencontrer le liquide prostatique pour faire sperme. Donc son méthode est tout à fait définitive et ben l'offre une vasectomie pour pas faire petit encore après quelques semaines voire quelques jours après vasectomie au cavin éjaculer ça. Mais après ça l'a passé. Maintenant, il y a un problème tout au niveau de vésicule séminal là tout capable fort éjaculer ça. Alors vésicule séminal là nous rappeler auditoire là c'est 2 réservoirs qu'on gagne qui stocker sperme là. OK, en attendant que vous éjaculez. Eh ben 70% de la composition sperme li sorti dans liquide séminal là. Eh ben sou gen yon tumeur au niveau du vésicule séminal ou li ka fort éjaculer ça parce que bal gen yon rupture des petits vaisseaux sanguins qui dans vésicule séminal là, mais rupture ça maintenant bral fait que sang tombe dans sperme là et l'on éjaculer ou vin éjaculer sang. Il y a un problème au niveau de prostate tout ka fort éjaculer sang. Surtout le cancer de la prostate. Nous songeons que nous toujours dit dans le micro ça que le cancer de la prostate là lui-même c'est la maladie des hommes âgés de plus de 50 ans et il est exceptionnel pour un homme avant 50 ans gagne cancer de prostate et nous dit que cancer de prostate là lui-même second parent qui gagne risque pour développer pour là lui-même il multiplie par 3
Et nous dit également que cancer de la prostate là lui-même son cancer qui silencieux au départ l'organe n'a pas de symptômes en général l'organe ou symptômes maladie qu'on déjà plus grave mais une symptôme pas gagné l'organe cancer de la prostate c'est ou cas éjaculer sang. Maintenant il y a un examen de confirmation de cancer de la prostate que vous fait qui est les biopsies prostatiques. Mais l'orphine fait ma et examen ça a pu confirmer cancer là et puis je n'ai qu'un stade lié il confort éjaculer sang pendant quelques temps donc y a une biopsie pour diagnostic de cancer de la prostate capable de faire éjaculer sang. Maintenant y a un problème au niveau de urètre tout capable de faire éjaculer sang surtout on hémangiome dans urètre prostatique on hémangiome dans son tumeur qui concerne les vaisseaux qui dans urètre prostatique là le dans zone ça le développer généralement ce sont des tumeurs bénignes que vous avez et ben ou ka fait avec comme ça tout ka vinn gain à la suite d'un traumatisme mais un hémangiome de l'urètre prostatique capable fort éjaculer sang. Maintenant il y a une infection tout dans urètre qui fort éjaculer sang. Alors urètre là nous dit que c'est dernière portion de l'appareil urinaire, c'est urètre là qui fait connecter vessie avec extérieur, c'est urètre là qui permet pipi à passer pour le tomber dehors, mais également c'est urètre là tout permet sperme d'en passer pour le tomber dehors. Et mais souvent une inflammation au niveau du canal ça, une inflammation d'origine infectieuse, notamment infection à chlamydia, à gonocoque, à trichomonas vaginalis, et mais ça yo capable irriter muqueuse urétrale là, li ka fè lo éjaculer ou gen sang là-dedans. Et ça, que, est-ce que en forme de traumatisme par exemple en relation sexuelle on fracture les en termes de pause bah ça garçon qu'on gagne est-ce que ça va bah sans tout fracture qui bord parce que non pénis dans mouvement il est mort et puis il frappe non la fracture dès qu'on a un nœud on pas peut éjaculer sans si pas une rupture urétrale pour éjaculer sans faut urètre là il est affecté dans traumatisme là OK il y a un traumatisme urétral par contre ca faut l'éjaculer au gain sans la donne si urètre là traumatisé et non les coq caverneux. Maintenant, est-ce que hémospermie ou hématospermie, est-ce qu'il y a un traitement? Le lit idiopathique, c'est-à-dire le lit vini occasionnel, les pas une cause pathologique qui est associée, eh bien, traitement dépend de durée, la passer pour contre lui. Parce que nous dit que le pathologique a une signification pathologique, des fois, le sperme n'a pas la donne, il est juste un bagage occasionnel. Eh bien, yon hématospermie ou hémospermie occasionnelle idiopathique, traitement a venu de lui-même, côté que quelques temps après l'a passé. Mais cependant, s'il persiste au-delà de période que nous disons, à ce moment-là, traitement revient à aller chercher cause là pour faire traitement cause là. Si c'est une infection, pour faire traitement, et pour pas gagner ça dans l'asperme encore. Si c'est un cancer de la prostate, ou te gagne automatiquement ou résoudre le problème là. Si le cancer n'a pas non ça avancé ou retirer pour cette la net à ce moment là pour résoudre problème non sont des grands troubles de la coagulation trouble ça t'a corrigé et que le pas congénital sans disparaître c'est son problème ou gain dans testicule ou il était traumatisé ou bon t'es grand tumeur dans testicule d'ailleurs nous dit tumeur testiculaire yo puis faut là dedans c'est des cancers yo traitement c'est retirer testicule là mais depuis yo retirer testicule là parce que t'es gain cancer dans testicule il ca fort pas éjaculer sang encore. Maintenant pour hématurie en lui-même. Hématurie en lui-même est différent de hématospermie. Hématurie en lui-même, c'est l'eau pipissant. Tout le monde qui a pipissant. Garçon, fille, tout le monde qui a pipissant. Hématurie en lui-même, ou pas toujours well. C'est-à-dire, ou cap pipi ou pipi a une coloration normale et pourtant, il ressent la donne. Hématurie en lui-même définit à partir de quantité de globules rouges que vous trouvez dans le microscope, non? Et malheureusement, les sangs foncés, mon nous dit ah, on fait infection, oui. Donc, sans que bah, depuis garçon pipi foncé. Alors, pas toujours vous le dit ça. Oui. Pas toujours vous le dit ça. Oui, tout à fait. Bon, pas toujours. C'est pas toujours le pipi foncé. C'est pas toujours sans le blé dit. Gampi les raisons qu'a fait pipi foncé, il est pas en immaturité. Après un exercice physique, par exemple. Nèg kap fait bodybuilding, yo, mon kap courir marathon, yo. Ou kap pipi très foncé, voire osé. Il n'y a pas de signification pathologique, ce n'est pas vraiment immaturité pathologique, ce n'est pas sans réellement et lié à une maladie. Et il y a des médicaments à prendre, tout à quoi soit prendre fer. Fer capable de colorer l'urine, il y a force penser c'est ça. Il y a des médicaments les rifampicine, qui sont pour la tuberculose, dans le schéma thérapeutique, il y a 4 médicaments pour la tuberculose, il y a des rifampicine, qui sont colorés, pipi ou. Ça ne veut pas dire c'est ça. Mais cependant, si vous examinez, vous avez plus que 10 000 globules rouges
par millilitre d'urine dans échantillon urinaire là, ça c'est sanglier même sous par pipo coloré. Il y a ça immature microscopique. Mais qui t'a comme signal ça qui a déclenché curiosité ça pour me connaître une tavague sang dans pipi. Gain deux façons. Première façon, soit l'hôpital pour l'autre raison et puis au mando font examen des urines parce que examen des urines là, il fait partie du bilan de routine yo. Là bon fait examen des urines là, il dit yo kao gain sang là-dedans. Les ça sont immature microscopique. C'est un distance ça. Mais qui est mature macroscopique là tout. À ce moment-là, où est sang même dans pipi. Li même li gen plusieurs façons qu'a présenté, li cap initial au départ le pipi ouest sans paraître, après ça pipi en vin blanc. Li cap terminal ou commence pipi blanc ou bien jaune et bien à la fin ou elle rouge. Li cap tout total du début à la fin ouest sans dans pipi. À ce moment-là, c'est immature macroscopique depuis qu'avait la yeux. Maintenant qui ça qu'a fait un garçon, une fille, un petit monde gen immature. Il y a une infection qui a fait ça. Il y a une infection dans l'urètre. Surtout infection sexuellement transmissible. Il y a un problème au niveau de prostate garçon qui a fait ça tout. Et nous connaissons nous trois maladies dans la prostate qui a fort pubissant. Premièrement, c'est infection dans la prostate qui a les prostatites là, le l'enflé, l'elbe goudou le dans ceinture, le pipi quand la bouille ou, et le ka fort pubissant tout, et le ka bo la fièvre avec gros frisson. Ça c'est prostatite là, li même le ka fort pubissant. Adénome de la prostate là tout ça nous est les tumeurs de la prostate là il est tout hypertrophie bénigne de la prostate lui même tout le cafard pubissant et nous songeons que hypertrophie bénigne de la prostate là c'est lui même souvent qui fait monsieur yo souvent pédial changer tube cathéter chaque 15 jours chaque 22 jours gon tube a passé et ben il est ça hypertrophie bénigne de la prostate c'est tumeur ça au gain la prostate tout qui fort ou poté tube qui fort pubissant et ben second tumeur dans prostate tout le cafard pubissant. C'est la deuxième maladie dans la prostate là qui fait pubissant. J'en ai dit tout à l'heure pour hémospermie, il y a un cancer dans la prostate qui fait pubissant. Surtout un cancer qui est dans le stade avancé, qui fait pubissant. Ou mettez ça dans la même catégorie, un monde qui a éjaculé, par exemple, et puis il sent le canal qui brûle pendant la au moment de l'éjaculation. Et ceci, ça fait à répétition. Ça, c'est l'infection qui fait ça. Le plus souvent, c'est l'infection dans la prostate ou dans l'urètre qui fait ça. OK? Donc, surtout une infection sexuellement transmissible. Maintenant, nous disons cancer dans la prostate. Toute maladie prostate qui a fort pubissant. Quelle est ton infection dans la prostate là ou les prostatites là? Quelle est ta tumeur qui fait porter tube quand tu es chaque fois qu'il faut changer à fort pubissant? Quelle est ton cancer dans la prostate qui a fort pubissant? Mais cependant, second, on roche Edmond qui colle dans l'urètre tout. On qui fait maladie pénarin et puis qui vient dans le stade là éliminer Pierre. Pierre tombe dans le vestiaire et Pierre va passer dans l'urètre là, il colle dans l'urètre là, il a fort pubissant. Les urètres là, les Pierre là enclavé, les roches là enclavé dans l'urètre là, il ka fort pipissant. Maintenant, il y a un problème au niveau de vessie ou tout, ka fort pipissant. Il y a plusieurs problèmes dans vessie ka fort pipissant. Premièrement la caille mesdames, il y a cystite ka fort pipissant. Et cystite là c'est infection urinaire qui plus souvent rencontre la caille fille qui bal canal brûlé la pipi, en bâti va faire mal la pipi, douleur dans ceinture, et ben il ka fort pipissant tout. Il y a cystite qui c'est inflammation de la muqueuse vésicale la caille fille, il ka fait fia pipissant. Deuxièmement, tout yon wash en vestiaire tout ka fort pipissant ko se fi ko se garçon si wash a tombe dans vestiaire li pa ka passer dans urètre là pour éliminer dehors l'a augmenté de volume pendant des années et mais li capable traumatiser muqueuse vésicale ka fort pipissant et mais yon tumeur dans vessie tout ka fort pipissant tumeur dans vestiaire son masse bourgeonnante ko gen ki levé dans vestiaire le plus souvent dans zone trigone et mais lorsqu'on tumeur dans vessie massacre levé en général tumeur dans vestiaire li plus lié avec moun k'ap travay nan industrie, moun k'ap travay nan kote yo fè plastique, moun k'ap travay kote yo fè goudron, kote yo fè détergent, kote yo fè peinture, moun sa ou ki expose pendant longtemps ap respire produit aromatique sa yo, et mais son facteur favorisant ka fò gen et tumeur nan vesi. Et également moun ki fume en pil yo tout, son l'autre facteur ka fò gen tumeur nan vesi. Et mais lorsque gen tumeur nan vesi mettre symptôme nan pi gros symptôme nan c'est hématurie la fort pubissant et particularité que tumeur vessie a gagné l'elle fort pubissant li même li pas bon douleur ou a pubissant pas brûlé ou pas gain douleur dans ceinture et puis sang et puis pipi ou coloré avec sang c'est une bagaille qui vraiment intéressant parce que moun n'a pubissant en pile sang et avec caillot li pas même gagné douleur canal brûlé li pas gagné du tout et ben yon tumeur dans vessie ka fort pubissant. Maintenant, il y a une infection qui est la bilharziose urinaire. La bilharziose urinaire, selon Donné Edmond, c'est la
plus grande cause des maturies dans le monde. C'est le même qui baille plus grande cause des maturies dans le monde, la bilharziose urinaire. D'ailleurs, mettre symptôme bilharziose urinaire là, puis gros symptôme li baille là, elle baille plus gros maturie jamais connu. Mais heureusement, nous pas gagné maladie ça en Haïti. Bon, c'est l'apanage des pays africains parce que schistosomiasis c'est parasite qui baille là, on pas gagné dans faune haïtienne là. Mais c'est la plus grande cause au monde des maturies qui ca fort plus puissant, c'est la bilharziose urinaire. La bonne maturie totale et en pile sang. Alors gagne on pratique bon mon yo bal non et renan la maison même bal dit bonjour tout à l'heure la renan là on va des questions parler et là par exemple un monde qui et ça généralement nous qu'on constate dans débutant nous yo et monsieur qui fait rentrer dans attaquer question masturbation qui gon engouement vous faites 2 3 4 fois à un certain moment et pour monde qui fait sexe tout à un certain moment pas gain sperme encore mon nan et soit on dit il voit vent ou bien il voit sang. Est-ce que on éjaculation à répétition ca produit voit sang ou bien son l'autre bagarre les mon nan? Oui. Oui. Mais faut déjà gon cause sous-jacente, faut déjà gain un traumatisme testiculaire ou une infection dans testiculaire après ça l'on éjaculer en pile après en pile rapport sexuel ou vinn baïsan. Mais voyez vent lui-même il gon l'autre signification. En général, ou pas éjaculer vent. Des fois, il s'agit d'une éjaculation rétrograde. C'est-à-dire, sperme fait fausse route. Au lieu qu'il passe pour le sortir dans l'urètre, il est entré dans la vessie. Et souvent, après ça, le wall pipi, ou qu'on a une substance glissée qui succède à pipi, ou bien qui précède pipi, ou on va un liquide transparent, ou bien un sperme qu'on va dans peignon. Parce que éjaculation rétrograde, là, même le plus souvent, nèg ki gen problème prostatio, quels sont infections dans prostate, quels sont inflammations, quels sont tumeurs, li ka fef sperme nan fè fausse route, li bon éjaculation rétrograde et l'on éjaculé ou gen orgasme là, mon pa gen ken liquide qui sorti. Maintenant, pour nous donner avec vessie, nous dit que yon tumeur dans vessie ka fort plus puissant, même j'ai un wash dans vessie qui c'est pierre dans rein ka fort plus puissant, une infection ka fort plus puissant. Mais au niveau de utère là, alors utère là c'est conduit qui fait pipi en passer deux reins à vessie hein, ou ka li ka gon raison tout ka fort plus puissant. Second tumeur au niveau de utère ou li ka fort plus puissant. Et n'a pas rappelé tout, tumeur ou gen dans voie urinaire notamment tumeur dans vessie, c'est des tumeurs multifocales que c'est-à-dire l'on gon foyer au niveau vessie, souvent gen d'autres foyers secondaires parce qu'en général c'est ka une caractéristique que tumeur voie urinaire gen, l'on est en côté toujours gen plusieurs tumeurs secondaires qui levé sur parcours trajet. Et mais second tumeur dans vessie qui vinn bon en tumeur dans utère, mais ça ka fait qu'au pipissant. Mais également yon pierre dans rein tout qui détaché qui tombe dans utère là qui coulé li ka fort plus puissant tout parce que nous au niveau de utère là nous gagnons ces deux zones rétrécies là dedans nous gagnons trois points urétéro qui c'est trois points rétrécis que j'ai au niveau de utère là wash là passe pour descendre généralement c'est dans zone ça est susceptible pour coller et automatiquement arrivé dans zone ça est collé il va créer un traumatisme une lésion il va créer des petites blessures au niveau du par de muqueuse urétérale la muqueuse qui est dedans. Et bien, traumatisme, ça lui même va créer rupture des petits vaisseaux. Et bien, rupture, ça va l'occasionner sans la pipi. Maintenant, il y a un tumeur dans le rein, tout, qui a fort plus puissant. Il y a un cancer dans le rein, qui a fort plus puissant. Et il y a un traumatisme rénal, tout, qui a fort plus puissant. C'est parmi tant d'autres, toutes causes ça, qui va faire une fille plus puissante. Une fille, un garçon, ou bien un petit monde plus puissant. Maintenant, est-ce que l'immaturité, qui c'est l'homme plus puissant, est-ce qu'il y a un traitement? Oui, il y a un traitement. Et même j'ai encore traitement va dépendre de cause qui ba ou immaturie. Ce sont infection que bon immaturie. Traitement infection ou pas plus puissant encore. Ce sont problème au niveau de prostate ou gain qui faut plus puissant parce que y a un problème au niveau de prostate qui faut plus puissant mais automatiquement traitement en fait ou pas plus puissant encore. Ce sont wash ou gain investi ou dépendamment de grosseur wash là. Yo ka bon médicament pour éliminer wash là ou bien yo ka chercher le pour pas avoir endoscopie ou bien par opération retirer le pour si c'est électif faut publier ça mais on pas publier ça encore et si son tumeur organe investi traitement tumeur là généralement c'est chirurgical son opération pour faire généralement et mais automatiquement on opéré pour tumeur on pas publier ça encore si son wash organe dans rien qui t'est collé dans utère ou pendant t'ap descendre si on retire wash là li pas ou pas publier ça encore. Donc traitement immature hein, revient au traitement de la cause qui la provoque automatiquement que cause à traiter ou pas publier ça encore. Moi pense que ces deux
aspect ça on devait toucher maintenant de et symptômes ça signe ça qu'on devait aborder c'était hémospermie ou bien hématospermie l'on a éjaculé sang ou bien hématurie l'on a pipi sang. Maintenant nous allons prendre question yo au fur et à mesure question à poser n'a pas avancé bon en avancé avant la question qui nous salue la reine on est là avec nous. Et Genda Djou qui font musique qui dit je te veux au rang de reine, au rang de reine. Vous connaissez musique ça? Assez parlé, au bout d'un moment il n'y a plus les mots. Ça y est. Ou à Rolène? Oh, ça se passe avec le prince Dadjou. Oui, dis-moi bonjour et moi je suis en qu'on reine. Je t'ai élevé au rang de reine. Merci Edmond. Est-ce pas de l'élevé au rang de reine? Au rang de reine. Non, on m'a dit écrit ma frère donné sur lui. Comment est-ce, Steph? Ma femme Edmond, bonjour, Lovensky, bonjour, docteur. Bonjour, c'est bon. C'est jeudi 22 avril, oui, c'est Lovensky qui t'a dit. Lovensky, comme je la prends soin, ma frère Edmond. Et ça fait que les gens viennent passer là comme ça et puis nous, comme ça. Bon, nous prenons soin de drop parce que nous paie pour nous faire méchanceté. Heureusement nous là. Donc jeudi 22 avril, nous allons passer un bon petit moment ensemble. Docteur Agueta est venu sur raison qui t'a fait. Un garçon éjaculé sang. Éjaculé sang. Ou bien un monde wow. Pipi sang. Éjaculé sang du. Comment m'a gardé sang là donne la fait sang. Alors, nous allons passer dans la question rythme et puis après, notre petit Paul Stéphane n'a pas parlé plus parce que la propile. Très bien, bonjour Maxon Paul, Nek Tigouav. Maxon, on va voir quoi j'attise la même. On va voir quoi j'attise la même. Il va chanter pour belle voix. Et pour la gloire de Dieu. Oui, pour et plaisir, l'amour tout. De Stéphane. Voilà. Et bon, même si nous allons espérer, hein, quand même. On va chanter. J'ai espéré. On va chanter pour Jésus dans le voyage. On va vivre. Et vous? Oui. On va faire vivre petit comme nous. Bon, les gars, oui, ça va vite. 44-32-06-44-44-51-06-44 Artiste Guilherme Cédelva. Alors Guilherme est là, gay musique et allez sur I Can Breathe de George Floyd là. Donc m'invitez dans l'alter de musique ça sur YouTube et page Guilherme Cédelva. Oh, Daniel a fêté. Bonne fête Daniel Saint-Cyr. La balance endurci. Daniel Saint-Cyr. Daniel Saint-Cyr, bonne fête. Et ok. 44-32-06-44-44-51-06-44. Et nous allons recevoir auditeur 37-70-72-41 pour yon question. On a problème matin, on a recevoir docteur Manrico Félix, lycée urologue. C'est lui qui est avec nous dans Matin Caraïbes matin. Lovensky, nous allons prendre premier auditeur. Et qui t'en salue Nathalie Michel. June Verna, y'a aussi la guéou. Et l'ouvrin si t'es plein pour un pilou, nous faisons n'importe des jeunes bas dans l'eau. Allô? Bas de guetta, ouais, non? Net. Ok. Allô? Oui, bonjour. Comment est-ce? Bonjour. Oui, alors, la première radio est au niveau de Delma 95. Delma 95? Exactement. On a dit. Alors, question d'un autre côté. Comme ça, j'ai 2006, mon petit testicule droit, non, le gros fibou dans l'air, pour que je m'attends à me lever, moi, mais l'homme touché, il n'est pas dû, à mes muscles, il n'est pas dû. Après, si l'homme vient, ouais, bon testicule gauche, là, il vient même pas dans la tour. Du coup, des fois, je ne sais pas souvent, mais des fois, je dois faire sexe après une sensation de douleur, les deux testicules. Mais du coup, le mec, quand il est piqué, il n'a pas fait mal encore, après, tout le temps, il n'est pas fait. Même bien tout de suite. J'étais bon pour faire des examens, j'étais venu par exemple. Mais après ça, j'étais venu sur varicose. Alors là, je connais exactement qui j'aime tout ça, pour t'aider ensemble avec un résultat, que je ne vais pas continuer encore ou bien me calculer ça. Merci. Ok. Yeah. Merci pour l'intervention, hein, auditeur. Et auditeur a dit. Testicule, il fait le mal, il fait sexe. Il a une boule. Il a une boule là-dedans. Bon. Ok. Pour douleur après rapport sexuel, là, si son rapport sexuel qui était traumatique, côté que. Frappé dû. Testicule, il est traumatisé, il a une douleur. Mais, nous sommes dit,
douleur pas de durée ou pas de douleur qui dure dans testicule, si ça pas normal. Mais si c'est un rapport sexuel traumatique, tu gagne pile frappe Jean Stéphane Dil, ça ka fò gran ti douleur occasionnelle, après ça la disparaît. Frappe monsieur. Maintenant pour ti boule dans testicule là, comme on dit té, on pas connait toujours gagne. Sont toujours gagne, ça pas normal du tout. Ou pas doué gagne boule dans testicule. Et s'il dure encore même son l'autre plus gros problème. Si boule ça t'a dû. Parce que c'est une signe de cancer dans testicule. Ça va normal du tout. Maintenant, on dit que tu es du fait varicocèle. Bon, nous connaissons varicocèle là, c'est dilatation des veines du cordon spermatique. Et nous sommes dit que chaque testicule a deux cordons qui kembent. Il y a un cordon qui kembent, ça fait deux. En deux cordons, il y a une veine qui passe. Le veine ça a dilaté, il y a une varicocèle. Maintenant, cause, alors, qui ça a fait? Qui ça a varicocèle là? Il réduit la chance de 40% pour enceinte madame. Surtout le grand varicocèle, grade avancé, grade 3. Ok, qui doit me dire que c'est ça qui est crime qui dit, li gen un problème dans le testicule li, et pour me taper, comprendre ces photos, pour le taper, bon, moi, je dis, voyez-le by Stéphane. Voilà. Merci, auditeur. La direction. Oui. Faut que c'est moi, pas permettre moi, photo, ça va. Bonjour, Edmond. Bonjour, docteur. Docteur, moi, te fais une nuit à pipissant. Le mal, quand le docteur, il était bon, bon, moi, pour se dire nos médicaments, et puis pour 25 cents, et puis pour boire un gallon de l'eau pendant la journée. Depuis le sal est passé, est-ce que je ne peux pas gagner encore et qui salte? Ok. Premièrement, on fait une étape pipissant. On ne peut pas qu'il y ait des raisons qu'il faut pipissant. Nous sommes cités là. Maintenant, si vous boire de l'eau passé, en général, vous avez un gallon. Un gallon, oui. Pendant la journée, docteur a dit que vous un gallon pendant la journée. Oui, c'est deux à trois litres. Pas au jour. Deux à trois litres par 24 heures. Maintenant, si l'on fait une boîte de l'eau passée, en général, l'on a pied dans un qui fait pipi sang, l'on a boîte de l'eau en pile, et que l'on a descend sans qu'on dissipe. Donc, pied dans un, c'est une raison que tu as fait ça. Et si l'on a une infection, tout, c'est une raison que tu as fait ça. Si l'on a une infection d'investir, c'est une raison que tu as fait ça. Donc, il y a plusieurs raisons qui sont liées à capot là. Mais si tu as boîte de l'eau en pile, passé, mais c'est probablement un pied qui a gagné, un roche qui a gagné, probablement qui a fait ça. Très bien. Bonjour. Bonjour. Alors, Edmond. Oui, comment est-ce? Très bien. Moi, c'est un fan Radio Caraïbes. Moi, j'habite Carrefour, à Matin 52, Riel Boutier. Mm-hmm. C'est pas pour une question que je m'a posé, non? C'est un bel femme qui a fêté aujourd'hui. Moi, je vais mettre le nom livre anniversaire là pour moi. Comment le relais? Raymond Rémy Beauvais. Raymond Rémy Beauvais. Rémy Beauvais. Rémy. Oui, Beauvais. Merci en pile. Raymond, moi, mettons en pile. Merci beaucoup. D'accord. Bonne journée. Partagez. Stéphane, bonjour. Oh, bonjour. Bien content, on va arrêter de dire bonjour. Allô. Moi-même. Oui, allô, bonjour. Bonjour, Edmond. Bonjour, Stéphane. Bonjour, docteur. Bonjour. Bonjour. Ça passe, je dis, on était dans ma rime, dans la liste. Bon anniversaire, là. Comment Marie Moulé? David François. David François. François. D'accord. Ok, et vous me devez quand tu parles à Véron privé, oui, s'il te plaît. Après émission, pas un problème. Ok, d'accord, merci. D'accord. On va composer, non? Ok. Allô? Allô? On est sur l'autre zone, sur le téléphone, non? Bonjour. Allô? Oui, bonjour, comment est-ce? Nous sommes en capacité. Allô? Oui, allô, là, oui? Oui, docteur Tando. Et sur ma partie parce que dans la rue, en fait. Bon. Et question on a posé, docteur, c'est. En fait, un gros problème dans le docteur Tengen. Une grosse infection qui est toujours à l'étonner. Ça veut dire chronique. Si on va à l'hôpital, vous lui, je suis prescrit médicaments. Mais que des fois, c'est même une décision, comme si même les traitements, nous commençons encore. Bien que la dernière phase de recommencer, c'est parce que je me suis fait moi-même, je me suis fait moi-même tout.
après moi pour situer le dégât. Là, mais qu'on est que ça vous fait dans le niveau ça. Ok, merci beaucoup. Oui, gain en subtilité dans le traitement infection, surtout infection sexuellement transmissible. C'est souvent filles et garçons qu'on a plein et aller au tourner. Traitement fait, après ça, ils retournent gain encore. Il n'y a pas traité toute chaîne. Voilà, ça c'est, c'est une raison. Docteur, ça dit oui. Oui. On a même dit ménage, les ménages, pour ménager les ménages, pour tout pour les ménages. C'est un mêlé, oui, docteur. Tout à fait. Ça s'appelle communauté amoureuse. Donc c'est bien que le monde continue à vivre en à communauté. À vivre en communauté. Ok. Mais il y a un qui fait syndicat amoureux et tout. Oui. Mm. Oui. Alors les... on dit ça, c'est on va raconter le bagage rien pour louer à moi. Ok, docteur. Mm. Oui. Ça précise ça. Le problème qui vient, c'est que chaîne n'a qu'on va traiter. Oui. Jean-Stéphane dit. Hein. Si tu es un partenaire, faut tout le monde ait un rapport sexuel avec vous. Tout le monde qui a l'air. Il y a tout. Et tout le monde a l'air encore. Ça veut dire toute population qui a traité. Docteur vive. Et deuxièmement. Pas entre mille, on va se faire des soins, une tête là, non. Deuxièmement, faut le traitement soit complété. Quand on dit que vous finissez faire un traitement bien pour vous, madame, vous ne pouvez pas faire le boulot. Faut le compléter. Ménage, vous ne pouvez pas faire. Mes amis. Ça lève mon gueule là. Allez, le docteur va te parler. Faut le compléter parce que des fois, quand on ne connaît pas fin pour médicaments, au début, c'est un peu disparaître. Ouais. Et de, troisièmement, la caille fille, en général, il faut exiger un ensemble de comportements que fille a de gagner, de adopter. Mm-hmm. Pendant le traitement, pas de rapport sexuel, il faut mettre culotte coton. Faut qu'on fait le droit de l'eau bouillie, des fois. Des fois, le principe, ça, il n'y a pas vraiment d'astuce, il n'y a pas vraiment respecté. Et ensuite, utilisation de condom après traitement, avec tout partenaire qui n'a pas testé, et qu'on n'a pas de statut. Mais là, on a utilisation de condom dans une autre subtilité. Est-ce que vous avez bien utilisé le condom? Exactement. Sauf une fait attouchement, on fait une caresse, fin à doué tout, c'est même d'autres qui vont l'utiliser pour mettre condom. Non, des fois, on va toucher pénis avec sécrétion, etc. Une manipulation qui va créer des problèmes pour traitement qui aboutit. Donc, ça, c'est vraiment un problème qui qu'on fait des fois, traitement qu'on n'a pas vraiment, alors qu'on a une répétition dans la maladie. Mais toutefois, concernant l'auditeur, c'est faut qu'on traite, faut qu'on ait un spécialiste qui peut faire ce traitement pour, faut que madame ou tout, lui ait un spécialiste. Et des fois, traitement, c'est médicament qu'on voue pour partenaire là. Même nous-mêmes, nous exigeons que partenaire là vienne l'hôpital là. Yeah. Ok. Au lieu que nous bail, vienne dans. Est-ce que c'est pour faire test pour lui? Pour nous faire examen pour lui et pour nous faire traitement pas là pour lui. Voilà. Alors, il y a qui est dans le Niki et qui dit oh frérot, ça les fafan pour moi. Bonjour, famille. Bonjour. Au moment bah là, voilà ma garde et petite là, les frérot visage là, frérot. Et ok. Oui, pas un problème. Merci Niki. Il y a un monde qui m'a un peu petit bah avec ça. Merci beaucoup. Alors, on vieux frère qui est là, on va le citer non lui. Et bon, là moi le lit, parce que son autre numéro, ben là moi le crime, son gros chef. Alors qui dit docteur, est-ce que bon, c'est ça doit avoir regardé non après. Est-ce que mandé docteur là pour moi et si on a perdu ban et dans même moment gain douleur, gain sang, perdu ban là, c'est ça qui aggrave situation ça. Moi on est monsieur dans l'âge, qui l'âge ou patron? Canon cinquantaine yo. Et puis, moi, je me suis dégagé en pile tout. Non, pas 50 loin. Je me suis dégagé en pile tout. Donc, oh, 47, oui. Oh, Libanon, c'est 47, oui, sénateur. Oh, bon, je me dis qui est. Oui. Ok. Père du Banda, il fait partie de 10 élections. À ton âge, on va poser, tu blagues. Non, si tu commences bonheur. Si tu commences bonheur, au moment privé, faut poser. Ah, oui, on va poser. Faut poser. Donc, il n'y a pas que ça dans la vie. Oui, il n'y a pas que ça. Benny. Mais c'est indispensable. Oh, c'est ok. Paul Getty a fait là. Oui, oui. Même s'il n'a pas besoin. Oui. Et c'est tellement vrai. Oui, le nègre va abandonner. Ça a une incidence négative sur l'expression, sur la personnalité, oui, justement. Donc, c'est. Vous avez fait vous, monsieur. Son mot à petit feu. Non, ça va dépendre de cause. Là. Je te dis, perdre du ban pendant un rapport sexuel, il fait partie de 10 érections. Les troubles qu'on gagne.
stress ça c'est premier cas de figure là mais il n'a pas feeling il n'a pas jeune feeling exactement si gon routine oui si gon routine monotonie voilà OK monotonie dans mesdames changer mesdames varier ba yo mesdames bon j'ai pour faire mesdames pas guider monsieur au travail seulement nous doit travail tout à fait son travail à deux liés voilà son dieu n'a fait mais comme il gagne 50 ans son dieu à deux mais comme il gagne 50 ans 47 comme il gagne 47 ans étudiant dit à partir de toi de 40 ans, un homme sur trois commence à souffrir de problèmes ça. Mm. Et à partir de 50 ans, un homme sur deux à partir. Non sur deux. Bah ouais, un homme sur deux sous 50 ans. Sous 50 ans, oui. Oui. Ou 50 ans déjà ça mis. Donc et en plus de stress, hein, tenant compte de données ça. Non, je gagne stress. Oui, oui stress ça fait ça. Oui. Tenant compte de données ça, parce que faut que l'état en urologue pour ça. OK. Mais m'a planifié vous amis hein? Ouais. OK m'a planifié vous amis hein? Et Niki faut poser Niki on continue sur mon téléphone là 4432 au Sénégal on a envoyé m'a porté ah faut poser OK 4432 06 44 44 51 06 44. Bonjour. Allô, bonjour Edmond. Comment est-ce? Mais non, là, regardez. Dis-nous, non. Pourquoi est-ce que tu l'aimes dans la radio, dans l'émission, hein? Mm-hmm. Et c'est pas dans l'émission trop tard. Eh oui. Mais c'est le dernier avis pour le dégâts qu'il y a dans l'émission. Oh, qu'est-ce que c'est mon père? Nous, là, on a tout à fait nos piles, garçons. Et c'est qu'on y a Stéphane Desmarres. Bon, moi, l'émission, lui-même, il m'a fait d'aller, mon nom. Ou même, plus de Stéphane. Mais oui. Voilà la gueule comme ça. Voilà la gueule comme ça. Avant, nous saluons Edmond, nous saluons Stéphane et puis nous saluons Docteur Ado. Salut à tous. Et puis tout, la question que je me l'ai posé Docteur. Je me suis dit, je me suis dit, Docteur, dans mon éducation, parce que d'où les sentis, il y a un paquet de bagages qui sont à cause. Mais je me suis dit, dans mon éducation. Vous pouvez m'attendre. OK. J'en dis, hein, douleur dans la ceinture, il y a plusieurs et causes qui a fait ça. Parce que dans la ceinture, il y a un zo, si vous avez pour les arthroses dans le zo, ou une destruction articulaire, et alors cartilage articulaire est détruit, ça va venir faute dans le zo sous zo, il y a une douleur dans la ceinture. Deuxièmement, il y a un muscle et nerf, un problème les sciatique, si vous une affection du nerf sciatique, il y a une douleur dans la fesse qui descend dans face postérieure cuisseau et douleur dans festin ni nous qu'on a assimilé là tout avec douleur dans ceinture mais second problème dans rein tout ou quand douleur dans ceinture par exemple pied dans rein c'est connu que pied dans rein et colique néphritique que pied dans rein a produit quand bon douleur dans deux parties de bon dans ceinture descend bon l'un nous etc. Donc on pas quatre raisons qu'a faire douleur dans ceinture j'en dis hein. L'étape important maintenant pour vraiment connaître raison pour là, il faut que tu aies un spécialiste pour identifier de ça. Très bien, on continue sur Voisin Mio. C'est pas le mettre pour mon anniversaire. Josué Beauvoir. Oh, plus dans la même. L'OVC a permis de nous sur l'autre monde. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que tu es? Ma femme. Oui, docteur Abtando. Moi, alors, moi, dans l'émission, parce que je connais son émission qui m'en attendait, moi, pas arrivé pour pas qui sont qui n'ont pas de santé, non. C'est un message que je fais passer, un grand monde qui a environ 3-4 jours de ville Bola Kaimouin. Donc, les îles gagnent petit, les îles gagnent 9 petits, mais les villes qui agissent, 20 villes. Comment le Ville C à Joinville. Ville C à Joinville. À peu près qui l'âge? Ou bien si nous l'âge? L'âge, 75 ans. Mm-hmm. Dans qui zone l'île de sorti? Dans qui zone il sorti? Oui. Il n'est pas dit dans qui zone il sorti. Vous savez que les perdu au Kaili. Dans qui zone où est ou même? Moi-même, mon frère, en face à l'académie. Ok. Alors, tu as souhaité des formules, si l'attendez pour le temps. Et... Exactement, parce que. Oui, mais c'est depuis samedi, là, c'est rien. Ok, rappelez-nous rappelez-nous non-li pour mon capitaine. Non, c'est Ville-Sia, Joinville.
Li gen yon piye soli ki te identifye ou bien li gen banou nou? Li pa gen piye soli. Li gen banou nou? Li menm ki banou nou. Ok. Vil, men l pa konn nan ki zon li soti? Non, l pa konn nan ki zon soti. Depi sa mwen te pose l kesyon, se sa sol man l repon. Ok. Donk, banou adres an nou kote ou ya, petet si yon moun ap tande la ale, ou bien ba yon numero telefon? Numero telefon, se 39495324. 39-49-53-24. Ah, c'est numéro PAM. Un Vilsia, Joinville. Joinville, oui. Très bien, merci beaucoup. Protégez-le, commencez à faire une bonne action et espérez qu'il finisse, j'en commence. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. On nous recevoir, continuer sur la question. Et Lovensky, jeudi 44-32-06-44-44-51-06-44. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour femme, comment est? Ah ben avec Jésus n'a pas. Oui, oui. Bon, question pas non. C'est que les malades ou les urologues, ils ont dit que pour ça moins gonflé, ils ont dit un gros. Ça. Mais ils disent n'est pas grave, ils ont bon compris mais que les urosocines, ils disent comme ça, la pêche qui est le plus gros. Mais parfois, ils ont dit que pas en érection. Facile. Qui l'a joué? Le docteur a capable conseiller. Qui l'a joué? 62 ans. Ou diabétique? Non. Ou sous hypertension? Bon, il monte des sommes. Ok. Qui médicament a été par où? Myosocine. Fluoxétine? Oui. Ok. C'est prostate, il a dit quoi? Oui, il a dit qu'il faut gonfler, okay. Mais il y a bon moins comprimé pour ne pas monter plus haut. Ok. Et premièrement, on a dit que si c'est, parce que l'auditeur a été trompé de médicament. Parce que si c'est fluoxétine, c'est pour éjaculation précoce. Fluoxétine non là. Il va pour prostate. Je pense que vous trompez de médicament, faut regarder nous encore. Si le bain non, les médicaments sont pas bons. Dis quand même. Mais oui, c'est pour éjaculation. Même avec d'apoxétine, c'est pour éjaculation précoce. C'est vrai donc. Oui, c'est vrai. J'ai le monde qui apprend. Oui, oui, oui. Okay. Sans prescription. Non, faut une prescription. Okay, okay. Maintenant, comme on dit pour ça tout gros, oui, problème prostate qu'on bail problème ban. Mais il y a plus affecté éjaculation de premier en parlant de prostatite là, infection dans prostate là et puis tumeur dans prostate là, il y a HBP1, lui même il plus affecté éjaculation. Mais cancer prostate là lui-même, c'est lui-même qui surtout complication, surtout après traitement chirurgical yo qui concerne prostate là, c'est lui-même qui connent bon problème pour bander surtout si nerf érecteur yo qui dans voisinage prostate là si yo affecté. Maintenant, si malgré ça au prend médicament yo ba, alors faut que c'est dans moins dire que c'est pour éjaculation précoce. Maintenant, pense que gen l'autre yo ba ou tout. Sou ou pa gen solution avec médicament ça yo ba ou yo faut ta ou docteur encore et si c'est pas ton urologue ou te wè qu'on y a besoin un urologue. Très bien. Et moi gen un gros problème pipi li boule et puis moi me senti va j'ai envie de tomber. Mais docteur pour moi ça qui cause ça c'est va vous qui pose question. OK, va vous de pou gen la boule la pipi sont infectionnés. OK. C'est une infection liée depuis la brûlé ou par exemple nous t'ai parlé de cystite tout à l'heure la caille fille le plus souvent depuis vessie par muqueuse vésicale là infectée li enflammée la pipi la boulou et sous conjonctivage on envie de sang c'est ou gen l'autre problème dans la région pelvienne ou tout qui a associé second PID par exemple c'est à dire une infection et de structure qui n'a pelvis là ça cabo sensation ça mais pour canal brûlé là pipi hein? C'est une infection qui fait ça. OK, il est important pour ta faire examen pipi. Et puis éventuellement une sonographie pelvienne puis tu as regarder pour. Et tu me dis moi je parle de libre pour précoce ça donc. Est-ce monde qui fait attention qu'à prendre on dit que tu me pose ça. Oui, il comprend. Je vais rappeler le nom. C'est fluoxétine. Et puis le monde 20 mg. Et puis flu F L U O X. C'est ça que c'est vrai. Fluoric, fluoxétine. F L U O X E T I N E. T I N E. N E.
Pour demain, vous ne pouvez pas perdre, non? Et puis, vous allez à l'étranger, vous allez plus facile, et puis, vous avez une boîte pour vous, vous allez faire mon gâteau. Mais conseil, oui. Auditeur à tout. Oui, conseil à tout Balil là. Et avant de prendre une étape, vous allez faire une consultation tout. Pour regarder si vous avez l'autre. Voilà. Problème qui est associé parce que vous avez d'apoxétine, non, ou prend et pas fluoxétine, parce que plusieurs. Plusieurs qui allaient suivant Kaogen. Le docteur a dit faut faire examen. Parce que c'est pas seul ligue bon pour ça. SMD Dieu pour manger. Ah, seul ligue bon pour ça. Il y a d'apoxétine tout. Mais écrit ça, docteur. Non, mais ça va dépendre de. Ça chaque monde. Voilà. Ça veut dire. D'apo. Et si nous essayons tous les deux? Non. Ok. Gébaïa qui pose une question là. Est-ce que c'est par rapport à l'âge où on commence à faire oui. sexe qui pourrait le dire maintenant qu'il niveau la perdu et BN2? Non. Donc, non, monsieur dit qu'il commence à 14 ans. Oui. Non. Et, ok. Monsieur commence à 14 ans, il dit manger bio, le bien manger. Oui. Est-ce qu'il y a un âge pour commencer à perdre? Non. Ça veut dire qu'il y a un âge jusqu'à la mort. Oui, oui. Wow. Regardez, m'a demandé en boîte là, m'a demandé tout. M'a on a ici bébé. Ouais, on m'a demandé ça mieux. Mais on va pour nous ajouter de bon. On connaît avec l'âge, on a une diminution de production de testostérone tout yes. tout à bâger. Mm-hmm. Or cette testostérone qui c'est l'hormone de la libido. Il va cabayol. Oui. Oui. Oui, bien sûr, débile DBC, donc on en baillo. Oh wow. Mhm. On a déjà bien à côté jeune. Mais le bon grand flux c'est une maman. Oui. Côté le jeune ni la pharmacie aucun monde qui savait avoir ça. OK. Oui, on allez. Bon, bonjour. Oui, bonjour docteur. Bonjour. Bonjour Edmond. Bonjour madame. Bonjour sa femme. Bonjour. Oui, question là pour docteur hein. Comment mon n'a pas connaître l'éjaculé sang, parce que s'il pas éjaculé dehors, c'est en dedans l'éjaculé. Ça dépend. Merci. Hein? D'accord. Oui, c'est le préservatif tout. Non, c'est le préservatif là. Pourquoi est-ce qu'il y a en dedans l'éjaculé, comment on a fait? Alors, ça connive dans la tête pénie. On l'a fait éjaculé, on reste dans la tête pénie, ou après sous tête gland. Ou après coloration. Mais madame, vous commencez à voir, dans la télévision, dans la chaîne 16, nous avons la PVS, il y a longtemps. Il prend un PVS pour voir si il y a un cap sorti pour vérifier si il y a un dans la rue. Quand tu peux dans mes pratiques, ça n'est pas bon. Tu fais ça déjà? Moi, je suis sur la chaîne 16, je suis dans des petits mondes. Pas longtemps. Qui l'a fait 8-9 ans, je suis dans la télé pour que les petits mondes regardent. Tu as tout là, comme si la télévision vous regardez tout le ça 8-9 ans, comme si vous regardez. Bonjour Pierre Hitchen qui est avec nous. On continue les amis sur le téléphone. Et il y a 11 amis qui posent une question là. Ah, ok, les amis, regarde la commande. Elisa Doc. Fluoxétine? Yes. Combien de milligrammes? 10 milligrammes. Oui, il y a 10 là, il y a 20 tout. Il y a 30 tablettes. 15-15, oui, frère. 15-15. Oui, 15 pour Edmond. C'est pour moi. On l'air comme ça. J'ai un chaudel là. On va pas aux hommes au fou pour rendre service comme ça, non? On va aux hommes qui m'a demandé dans Balil. 44-32-06-44. Est-ce que on infection qui a fait mon nage éjaculation précoce? Oui, dans le prostate. Dans le prostate, titre qui a fait ça. C'est pas facile, non? Ah mais non, compliqué, vrai, monsieur. On reste pour la zombie dans le 26 jeudi. Est-ce que les gens qui sont dans l'association main droite, ils ont tellement fait et puis ils ont éjaculé ça? Non, il faut que les gens qui sont associés. Il faut que les gens problème associé. Allô? Bonjour. 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 Mais question, moi, j'ai un peu de docteur. Si on grand monde 70 ans et éjaculé, il y a un organisme, mais on ne peut pas étaler l'éjaculé. Maintenant, est-ce que c'est pour ça que tu fais tout ça? Est-ce que c'est pour ça que tu fais tout ça? Qui l'a dit grand monde, non? 70 ans. Et où fait le fait ça? Ok. Allô? Oui, vous dites, les 70 ans, il n'y a pas fait comment? Éjaculé, mais le pas estème, pas rien. Ok. Éjaculation, ça, c'est éjaculation. Rétrograde. Oui, vous devez poser l'autre question. Oui. Samedi, la soirée est passée. Moi, j'ai marié, moi,
Oui, docteur, répond. Première question, c'est possible pour ces éjaculations rétrogrades à 70 ans pour ça que la commence à grossir ou qu'a gagné une éjaculation rétrograde si pour ça que la vienne gros parce que pas bien nous te dit canaux éjaculateurs yo passer exactement au voisinage de prostate là depuis le gros et en général les prostate là gros li grossit de façon centripète c'est-à-dire de l'extérieur vers l'intérieur au canaux yo passer en dedans urètre là passer en dedans depuis la comprimer canal là ça va diminuer commence à diminuer quantité sperme bail jusqu'à ce qu'on vienne pas bail du tout sperme dans fond l'autre route là l'investir au lieu de sortir dehors. Maintenant deuxième question, li lever le matin il te connait bandé il commencer pas ouais bandé. Oui, ça privé avec l'âge. Normalement, bonne matinale là lui-même, c'est un bonne physiologique que lié. Ou pas besoin gain. Non, ou pas besoin gain vie sexuelle pour bander le matin au réveil. Parce que c'est un processus au cours duquel corps crée une sorte de oxygénation des corps caverneux. En fait, gain deux corps caverneux dans pénien qui besoin oxygène et c'est 5 pour votre oxygène dans balé. Corps crée phénomène ça pour ca oxygéner corps caverneux pour ca nourrir même sous pas gain excitation sexuelle. Ou souvent bandé le matin au réveil. Et au cas utiliser. Ah bien sûr, à ce moment-là, ou même si madame ou bokoto, c'est un bel moment pour gérer ça. Maintenant avec l'âge, avec diminution de testostérone, de production de testostérone qui gagne avec l'âge, ça qu'on fait que au fur et à mesure pas pour ben ça. Ou pas pour au fur et à mesure. Des fois c'est chercher genre disant chercher pour chercher. Mais oubliez madame dans comment le chercher. Oui? Oh. Check well before using. I don't know. on alors gen va vous qui dit par rapport à question de poser à et alors pour ça écrit on pas besoin répéter et contacter n'importe monde sur live là et puis dit mettez au sous groupe là et puis on va suivre qui fait ouais allo Venski pour ça va vous pour ça écrit on mettre contacter n'importe monde sur live là depuis et sous beaucoup dans groupe là ou bien mettons dans groupe là ou bien ouais allo Venski directement pour assurer suivi le groupe et WhatsApp fan et page fan et oui, fan club Madé Caraïbe monsieur Damien Feya c'est moi on l'idée dit très bon la danse c'est en trade là et que on prêt pour aider n'importe monde entre eux monde qui a un problème alors m'a écrit et monsieur Damien a garde ça au cas favor on continue sur vos amis sur téléphone on a appelé matin on a recevoir docteur et Manrico Félix c'est lui qui là avec nous. Et OK, ti chapeau, moi le bout d'aller. Allô. Oui, bonjour. Comment est pardon? Mam gardé. Oui, alors me dit demander. Continuez son volume radio là dans Brigari. Oui. Question bande matinal là. Et m'a demandé est-ce qu'il pas dépend de l'état physique mon nom ou bien relation mon yo si tout bagaille OK si mon nom d'un bagaille qui domine dans l'esprit est-ce que quand même même s'il est jeune et ça toujours possible. OK docteur vous avez répondu pour l'état physique là avec l'âge ça commence à dégrader mais pour l'autre facteur psychologique yo doc est-ce qu'il y a un impact qui a fait ou pas venir le matin. Non, il va dépendre de son va physiologique que lié. Mais toutefois, pourquoi a bien fonctionner pour fonctionner bien rempli, faut ou en santé. OK? Maintenant, le grand problème psychologique qui a affecté tout fonctionnement et organes dans corps. OK? Donc mais lui-même bonne matinale là lui-même, il pas dépendre de il peut pas malade. OK? Il pas dépendre de aucun et harmonie avec fille ou non. Son bagage physiologique lié de pour pas malade de pas pathologie organique qui affecte fonction testiculaire pour faire pas produire testostérone ou bandé docteur Gonzague pour question ça pour nous il dit mon docteur pour nous
et comment qu'a prend fluoxétine là, est-ce avant nous manger, après de manger, avant de faire sexe, comment qu'a prend éjaculation précoce, alors c'est un effet que le gain éjaculation précoce pas connait mais ça alors un effet que le gain alors ça n'a dit en général nous autres urologues moi particulièrement nous pas prescrit fluoxétine pour compte lui le monde vini dans pour problème érection souvent on connait problème éjaculation précoce tout qui associé à ce moment-là non seulement nous prescrit pour érection là nous fin garder tout système monde là pour nous s'il pas une maladie pour nous traiter parce que le plus souvent problème bagnou qu'on des conséquences de l'autre problème avant c'est-à-dire des fois qu'on pas de médicament pour bagnou du tout ou résoudre problème étiologique là et puis problème bagnou vient résoudre maintenant si toutefois nous prescrit médicament ça nous associer avec fluoxétine pour éjaculation précoce donc son choc là nous tape excusez-moi mon tape préféré avant nous prendre fluoxétine là pour nous taouer un urologue pour ta garder cette bagarre là. Il va moi là donc problème associé. Non, ça pas ouais ça. Non, il pas suffisant. Examen. Ah OK. Il pas suffisant. OK. Pour pas le prendre pour compte parce que il y a l'autre effet tout. Oui, il bon. On va appeler vidéo. Donc, gogé ce choc là. Sur question éjaculation précoce là. Alors moi qui vous dit qu'à poser question pour nous bodé, bon bagaille. Continuer et parler population. Michel dit donc pour éjaculation précoce là, est-ce que ça veut dire il y a et un type de monde li lié avec par exemple m'a pli message auditeur moi et prend pile temps pour ménage moi ou bien on l'autre monde mais madame moi pas prend pile temps est-ce que il varie de monde en l'autre parce que on pas besoin rien pour l'aime dehors pour malaise mais comme dans mettre affaire m'pas prend temps. Comme donc ça veut dire li facile pour bander pour madame ni et non puis, vini rapide pour madame ni et pour l'autre monde faire rebelle. Oui c'est vrai et vrai donc il dépend de monde qui en face ça l'oblige gain l'autre monde dehors tout eh ben comprendre ni oui c'est vrai donc oui il dépend de monde là il dépend de monde ah il répond lui il dépend de Lovensky je dis oui il dépend de Lovensky je dis non on va parler connia. Ah OK. Pas bruit trop. Ma foire non son réalité dit ba là. Monsieur c'est en pile monde qui répond dit oui ça monsieur dit est vrai. Oui, il dépend de monde. Et surtout second rapport sexuel qui nouveau. Alors second partenaire qui nouvelle, partenaire féminin qui nouvelle ou va le font bagaille pour la première fois bien grand monde qui récent. C'est possible. C'est possible. C'est possible pour une éjaculation précoce. Deuxièmement, second immaturité sexuelle. Grenade qui arrive contrôler éjaculation. Mais dans du grand stade de niveau, pas quelqu'un bien encore. Mais au départ, grenade qui crée des artifices pour retarder éjaculation pour prolonger l'érection. Ou qu'a pense à Gouma Lyon. Exactement. Lyon à Gouma. Vraiment bon pour comme si on dit le créole et si fia trop douce comme si il va pas. Nous t'as pas arrivé là. Nous t'as pas arrivé là. Pendant qu'on gagne artifice pour là tout fia les mêmes les techniques parlent. On va mettre mail là bien joué. Pour créer plaisir pour voilà à ce moment-là on compte pas quelqu'un bien encore obligé la gué voilà. OK tout ça c'est des pas tout ça c'est des facteurs qui ca fait ça mais il y a des facteurs psychologiques tout qui ca fait ça parce que des qui tellement grave éjaculé sous yo on simple contact avec une fille nèg éjaculé sans qu'elle pas besoin masturber c'est des nèg qui maintenant des problèmes psychologiques qui lié avec anxiété dépression stress qui t'a besoin un psychologue pour ça et si mon ça pas arriver que mon gagne longtemps pas faire sexe puis ça arrive qui tomber sous lui bien sûr n'a pas moi j'aime qui des grand pile tomber avec ça le tousser c'est pas me tousser oui son sinonel merci allô patron on continue sur les amis mais vraiment senti en dans lui madame maintenant allô oui allô bonjour vous supposez oui bonjour oui bonjour et bonjour Stéphane bonjour donc qu'est-ce qu'on va faire là c'est un bon matin et donc nous demandons de beaucoup de bon bon matin là parce que nous sommes et puis Mais bâton. Mais pour moi, je me difficile. En pile. Parfois, il faut être obligé de bailler. Parce que je me
Donc vous relez pour docteur guéri ça pour. Quand il y a monde qui cherche maladie ça. Mais comparativement les résultats dans le matin, moi toujours à l'aise. Bah oui. Mais matin pas sans plus mieux. Matin et jour qui joue. Oui. Exactement. Vous besoin de guérir ça? C'est ça le médium. Il y a des gens là sans ça. Oui, donc, son problème, je dis 5 heures du matin. Son bénéfice lié sous-bandé. Alors, oui, mais toutefois, il y a un phénomène en neurologie, alors, une maladie qui est le priapisme. Mm-hmm. Priapisme dans lui-même. Il dit le matin, il y a seulement. Ok. Ça, c'est 5 heures du matin. Oui. Oui, alors, oui, si c'est ça, il est normal, il n'y a pas un problème. Mais nous avons tout souligné que les maladies neurologiques ou les priapismes qui sont érections prolongées sans désir sexuel et douloureuses. Okay. En général, si l'on utilise des médicaments aphrodisiacotropes, ça qu'on arrive à être bandé. Si des fois, tu as des médicaments et pour des problèmes psychiatriques, ça qu'on fait ça. Et ensuite, l'on fait maladie anémie falciforme. Ça qu'on arrive que au gain puis à piste qui c'est sont prolongées non douloureuses qui pas accompagnées de désir sexuel mais pour 5 heures du matin ou ben de façon prolongée ou pas gain douleur ben c'est son bénéfice qui t'a supposé pour voilà et puis docteur Gomon qui mandé qui l'heure pour nous prendre fluoxétine rappeler au faut faire examen. Allô, bonjour. M'a rappelé nous ça encore. Bon t'as l'air de sur le moment docteur ben on t'explique à son moment. Fluoxétine c'est un psychotrope que lié qui utilisé comme antidépresseur mais qui gain comme il fait tout traitement de éjaculation précoce. Avant prendre, il est bon pour t'avoir un urologue. Parce que on doit c'est pas lié au bon, on doit c'est d'apoxétine, mais tous les deux. OK? Fluoxétine dans les mêmes sont antidépresseurs, les mêmes sont psychotropes liés qui gain effet tout pour éjaculation précoce. Donc avant prendre pour gain posologie, faut t'avoir un urologue pour ta baoul ou bien associer la l'autre bagaille. Bonjour, pardon, comment est? Non, forme med moi, comment nous est? On dégage nous femme docteur Tando. OK. Moi je vais vous demander docteur, qui ça qu'à cause un garçon éjaculé puis il pas ressenti rien, il va ressentir aucune sensation. C'est vrai l'éjaculé mais il va ressentir rien. Il va douce en quelque sorte. Il a un orgasme. Merci. Il y a un type de garçon comme ça. Tombe tombe sous. Un type de garçon comme ça. Non, pas dans le rapport sexuel. OK. Il va atteindre l'orgasme docteur. Ça arrive le garçon va atteindre l'orgasme. Oui. 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 Ça veut dire et pas parce que l'éjaculé qui fait lié à ton orgasme. Non, pas satisfait tout ça. Pas gain plaisir, mais en général bah c'est psychologique. C'est psychologue qui qu'on aider prise en charge ça au fait. Et il t'a conseillé auditeur pour t'avoir un psychologue. Allô? Oui, bonjour. Et bien. Comment y est? Ça va bien. Nous même pas Stéphane, ça les docteurs. Bonjour. Bon, et dans le système, que pour me donner séance, je dis, s'il vous plaît, mettez nom dans le lycée, pour me capter. D'accord, comment vous allez? Vous allez, Bra Marie Maud. Bra? Bra Marie Maud. Marie Maud. Oui, et puis, nous avons deuxième qui est le Jameson Joseph, n'a fait un site de OK. Et puis, Jameson Joseph. Oui. D'accord. D'accord, merci, papa. D'accord. Bonjour, bonne fête, madame. Allô? Allô, bonjour, vous, comment vous? Bonjour, informez-vous. Mon salut, docteur, mon salut, Stéphane également. Moi, j'ai une question pour le docteur. Allô? Oui, n'entendez pas. Docteur, il y a deux places, 6 mois, moi, j'ai pipi. Et pendant ma pipi, là, il y a une chaîne de pipi, là, une de pipi avec mes mains, donc mon chaîne de pipi avec mes mains, et lui, mon rage de pipi, encore moins que deux, et c'est une qu'elle va dans deux ou trois fois. Après, le lendemain matin, moi, j'ai senti que en douleur, là, c'est une allée à ma pipi, et puis moi, j'ai trouvé ça la dame. Comment qu'a aidé? Allô? Qui l'a joué? Moi, j'ai 44 ans. Vous sentez qu'un bel, il était brûlé où? Justement, s'il vous plaît, j'espère que vous me dites pas été un duplé. Et vous me dites que vous me faites les vivants. Là, ça va me passer pour ça. Ok. D'accord. Des beaux pipis sang. Et pipis sang, c'est dans. Alors, sang, c'est dans l'urètre tout le sorti. Ou bien dans le prostate, ou bien dans le vessie, ou bien dans le rein.
ou mande comment ka aide ou a besoin faire un examen ou les sonographies des voies urinaires pour nous garder appareil urinaire là voie urinaire yo rein urétère vessie et ou a besoin faire un examen pipi tout pour nous garder sous pas grand infection qui est associé. Donc comment ka aide ou faut que ta wem pour ça. Voilà. On l'a dit amis sur téléphone non, le 26 jeudi pour elle permettre nous faire ça. Allô, eh oui, mettez, il y a un mix qui pose une question là. Est-ce que ça est normal, docteur, pour un monde bandé tellement dû et puis peignant fait le mal? Oui, oui. Il est normal? Oui. Wow, ça me vient force. Ok. On est force. Allô, on a continué sur WhatsApp sur téléphone. Non, nous pourrons recevoir deux derniers auditeurs pour nous faire même pour partir émission au matin, Caraïbes, espace micro-santé. On l'autre ami, il n'a pas appelé, c'est docteur Manico Félix, urologue. Allô? C'est lui qui est avec nous aujourd'hui. Ah, bonjour. Bonjour, Edmond. Oui, comment est-ce? Comment est-ce là? Non, il faut parler, non, faut parler, puis il faut pour nous faire. Oui, depuis que j'ai avec Cyril, il n'a pas passé. Mm-hmm. Et que je suis pas menti, le docteur, on dit faut qu'on gagne. Mais monsieur, il y a beaucoup de difficultés, c'est en bas. Nous m'attendons bien. Allô, allô? Oui. Moi, je dis que son fils est moins bien. Mm-hmm. Mais pour monsieur Pissé, c'est en bas misère. C'est en bas en pile réduit pour le David, pour le Pissé. Et je suis l'aide qui arrive sur le tac. Ça, docteur, à bosser. Qui l'a gelé? C'est que 19 ans. Hein? Mm, ok. Ok, merci. D'accord. Mm. C'est exactement la question ça qui l'a gelé. Oui, vous voyez comme médecin pour me poser une question pour le stade pour lui. Non, 19 ans. Est-ce que vous me suivez nous pour me poser la question? Oui, 19 ans. Le cas est pour le prostate, mais c'est une infection, la brûle de prostate là, qui est le prostatite. Mais c'est quand monsieur 19 ans, la brûle dit pour le bébé, il y a pile raison qui a fait ça. Premièrement, c'est le grand Pierre qui est tombé dans la vessie, qui est bouché sphincter vésical là, ça a fait le rédit pour le bébé. Deuxièmement, s'il a une infection longtemps à répétition qui n'est pas bien traitée, il y a un retrécissement urétral. Côté urètre, il y a ici et il y a une pipi difficilement. Et si tu es plus jeune, si tu es plus petit, il y a une raison qui fait ça, il y a une maladie qui est les valves de l'urètre postérieure, si tu es fait avec, qui est fait si tu es des fois, difficulté pour le pipi, il y a commencé, il y a dans l'adolescence. De toute façon, on sait les gens pour nous capables d'aider dans le contexte, il faut que tu aies un urologue pour garder ça qui fait ça. Très bien, c'est important, oui, parce que là, on va me connaître qui a causé à l'avenir. Bon. On nous reçoit le dernier auditeur sur le téléphone, non? Le 26 jeudi, pour le permettre, nous faire ça. Allô? 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 Oui, bonjour. Madame, bonjour. Comment y est? Je suis en docteur Abdando. Oui, question par moi, docteur. C'est que des fois, je suis en train de me faire ça. Allô? Eh, hey, le 26 nous perdu contre l'auditrice là. Et il va finir de poser question. Et il attend vraiment un bon dernier pour nous finir. Allô? Allô, 26 t'as fait un article pour nous joindre, malheureusement. Allô? Bon dernier, les amis, ça là. Allô? Allô, bonjour, Edmond. Bonjour. S'il vous plaît. Je suis un peu déçu. Il n'est pas là pour le faire mon bandit, non? Il fait résistance. Oui, il fait résistance. Voilà. Hein, il anesthésie gland pour l'empêcher de gagner sensation qui vous a fait venir rapide. Là. Donc, exactement. Même que depuis le bandit, depuis où elle est campée pour faire, depuis dit bonjour, bonjour, qu'il est au revoir pour elle. C'est comme ça que ça. Bonjour, c'est elle. Là. Mais. L'elle passe ce soir, c'est plus tard. Oui, donc, en plus, un garçon, pas fait divorce à docteur, il va faire le bout en bande et endurance. Oui. Donc, c'est oui. Les parents, nous l'autre. Mais lui-même, il cap non, c'est l'éjaculation précoce, le docteur va l'expliquer. Mais, et ce soir, c'est là pour ça. Mais il dit le pas bon.
Yo dit pas bon. Et puis comme ça des quand qui est fait les poils le faire sur lui parce que son jeune Simon. Exode 23 ans. Exode d'amour déjà. Oui, merci beaucoup. Docteur après. Exode d'amour déjà. Mais même. D'accord. De manger poil de rouge. Oui. Surtout bois Congo ou bois blanc. Oui donc. Qui est fait ce soir gagné? Ou pas contre ce soir donc? Je connais. Ah, oui. Et j'en dis, hein, ce soir pas bail élection, mais il diminue sensibilité au niveau du pénis, il prolonge l'érection et du coup, il retarde l'éjaculation. C'est ça le fait. Maintenant, 23 ans, ce pas gagné ce soir pas durer, ou gagné éjaculation précoce. Mais il faut mettre un petit bémol, lui. Il y a des gens qui mal comprennent ça qui éjaculation précoce. Il y a des gens qui pensent que s'il fait 5 minutes, il éjacule vite. Il y a des gens même s'il fait 30 minutes, il faut mettre ce soir quand même. Parce que la perception de sexe, il faut le durer, il faut le durer. Ok? Faut le durer. Excusez-moi, docteur, mesdames, la cause. Lovensky, non. Si il y a un bon préliminaire, il y a tout ça, on pénétration pas obligé. Une heure de temps, deux heures de temps, c'est quoi l'histoire? Je comprends. Je vais écrire libre, si je vais besoin d'écrire libre pour écrire. Mes amis. Pour mon presse nationale, la bibliothèque nationale, la citoyenne édition. Oui. Ou besoin, comme si, depuis préliminaire, il bien fait, préliminaire là, bien fait. D'ailleurs, c'est que ça est déjà dans la tête, tout le commencé. Tout à fait. Pénétration pour qui bon là? Deux heures de temps, dans chevaux, oui, dans chevaux, ça faut quitter le long comme ça. Ok, Edmond. Et peut-être ça met bémol là, parce que vous dites que les gens ont une éjaculation précoce. Oui. Mon, à partir de 5 minutes, ou pas gagné précoce encore. Oui. Mais 5 minutes, c'est peu pour conseiller de monde. Il est obligé quand même. 5 minutes là, bon? Oui. Oh! Non, voilà, c'est 7 à 13 minutes, lui, oui. 7 à 13 minutes. Jusqu'à 20 minutes, il est considéré comme normal. Durée, on rapproche. Mais qui pour le malade qui est dehors? Durée. 30 minutes, 40 minutes, malade. De la pénétration à l'éjaculation, c'est 7 à 13 minutes et il y a un ouvrage qui arrive jusqu'à 20 minutes. Il y a des ouvrages qui arrivent qui disent jusqu'à 20 minutes, les normal. De la pénétration. Alors, il n'y a pas tenu compte, Stéphane, de préliminaire. Voilà. C'est de la pénétration à l'éjaculation, 7 à 13 minutes, et il y a un livre qui arrive jusqu'à 20 minutes. Mais ça, vous faites, docteur, là, après, elle fait pénétration, mettez un chronomètre là pour vérifier. Non, parce mais, que, moun, même 20 minutes là, on a considéré qu'il faut le durer toujours. Ah, bourrique! Ah, bourrique! Bourrique! À ce moment-là, ils ont utilisé poids, ils ont utilisé poids mal. Et puis, comment c'est une heure de temps, docteur, il a 100? Alors, poids. Il ne doit pas dire ça, mais il a 100. Pour ça qui passe, c'est dans l'utilisation. Parce qu'on est, il n'y a pas vendu dans la pharmacie. On ne va pas l'utiliser. J'ai fait un dosel. Dosel, c'est pour bon poids. T'as qui boit, c'est dans. Parlement. Oui, en baglant, ça va ou même il y a le frein. Yes. Et dans le frein, on prend un petit quoi. Ok, on prend un petit quoi. On petit quoi. Ok, ensuite. Et vous, dans la tête, on prend un petit quoi encore. Vous trois petits quoi. Bon. Et il y a un qui bat le net. Et tête là, il y a un qui infection. Il y a un qui trempe. Et moi, même son galon, le gain, mettez les sous quel. Et puis, non, là, le cabot. Et puis, le boulot. Non, pour aller. Mais bon, pour aller. Depuis, à partir de 5 minutes, et de 3 minutes, de commencer le boulot. Et vous lavez le. Non, quitter le cuit. Non, sous 7, 8 minutes, vous lavez le. Il faut quitter le bien cuit. Et si il y a pas de cuit. Fais pas, allô. Allô. Oui, bonjour. S'il vous plaît, baissez votre radio. D'abord, je suis comme dernier auditeur, mais soit vraiment pas bon. Allô. Oui, alors. Oui, madame, bonjour. Oui, monsieur. Bon, les mots de ce qui est là, c'est 4 mois de ce qui est là. Oh, c'est sous oui, pas monter l'autre, je ne sais pas. Oui, monsieur, bon, je ne sais pas vous dire, c'est que Marie-Marie doit dormir là, pendant que je fais ça, elle doit dormir et puis elle est dans votre scène, je ne sais pas là, mais elle va pas aller aussi, ça qui se passe. Elle est réveillée comment? Je dis, non, c'est pas un amboxel. Mais il va commencer à faire ça. Il y a un rapport sexuel avant ça? Non. Ok. N'a qui parle de l'amboxel? Parce que des fois, bon, ça me parle de l'album médical. N'a qui bon? Devant, ça coûte un amboxel. Ah, parce que vous avez même quitté mon pion. D'avec ce qui est si le mort de la nuit. Non, bon, je ne veux pas le médical. Il y a ça qui arrive, oui. Oui, docteur. Ça,
D'accord. Non, pas là, du Maroc, pas ça, tombe pas fréquent. Oui, docteur, après, bon. Mm. Ok. Et nous devons parler de hématospermie, ça c'est sans l'organe dans le sperme. Nous devons parler de hématurie, ça c'est sans l'organe dans le pipi.